Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un Get Ready en collaboration avec Givenchy. Petite astuce express pour décongestionner vos poches, et bien vous placez, comme vous allez voir, deux cuillères que vous avez préalablement mis au congélateur. Une fois que vous avez ce regard réveillé et super lumineux, vous appliquez votre soin habituel. Pour ma part, je passe ensuite à l'application de mon fond de teint et de mon anti-cerne. Une fois appliqué, je viens fixer le tout avec ma poudre Prisme Libre de Givenchy. Ensuite, justement, pour redonner un petit peu de relief et de vie à mon visage, j'applique le Prisme Blush en teinte 04 et vous pouvez aussi mettre du bronzer et un petit peu d'enlumineur. Notamment l'enlumineur, c'est vraiment important pour avoir un teint frais au possible. Et donc voilà le résultat pour le teint, on a vraiment quelque chose de lumineux et de frais. Ensuite, pour le maquillage des yeux, c'est extrêmement simple puisque je me contente d'appliquer une ombre dorée irisée pour agrandir le regard et j'applique ensuite sur la muqueuse inférieure un crayon clair, encore une fois pour quelque chose de très lumineux. Ensuite, on va passer à l'étape mascara qui est importante puisque c'est ce qui va souligner notre regard et j'applique le Noir Couture Volume de Givenchy en teinte 01. Ensuite, on va passer à la pièce maître du look avec les nouveaux rouges liquides de Givenchy. Pour ma part, j'applique le rose flanelle et comme vous allez le voir, le résultat est semi-mat. Ils sont plutôt ludiques à utiliser puisque le rouge à lèvres liquide sort par le petit embout mousse. Vous avez juste à tourner et la juste dose est délivrée. Et au niveau de l'application, c'est plutôt simple. Le raisin s'adapte parfaitement à la forme de nos lèvres. En ce qui concerne la tenue, elle est plutôt bonne. Je vous conseille cependant de faire une retouche si vous buvez ou mangez. J'ai aussi reçu trois autres couleurs qui sont plutôt estivales, donc les voici. Ensuite, je ne sors jamais sans avoir appliqué mon parfum. En ce qui concerne mes bagues, elles viennent du site Aglaïa et pour le reste de la tenue, tout est dans barre d'infos. Sur ces bonnes paroles, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi.